Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui, oui, ça faisait quand même un bail que j'avais pas commenté, si je dis pas de bêtises. Ça faisait presque plus d'une semaine. Je crois que le dernier commentary que j'ai fait, c'était par rapport à Monsieur le V12, enfin sur ma chaîne. Et l'avant-dernière, c'était la fall de Black Ops 2 sur Infinite Warfare, en l'occurrence la RPR Evo. Aujourd'hui, on va parler. Bien évidemment, des 20 000 abonnés, donc déjà, première des choses, merci, ça fait extrêmement plaisir. On se rapproche déjà des 21 000 abonnés, donc ça monte assez vite ces derniers temps, ça fait plaisir. C'est surtout les lives Apex, les lives sur ma chaîne, peut-être d'autres vidéos, en l'occurrence, peut-être celle de Monsieur le V12, en l'occurrence, ce qui s'est passé récemment, je ne ferai pas de vidéo. Pour ceux qui veulent voir, vous allez sur mon Facebook, j'ai parlé à propos de ça. Le but, c'est pas de buzzer parce que j'estime que tu peux, on va dire, parler du travail d'un youtubeur ou. Peut-être ce qu'il a fait, mais pas de sa vie privée. La vie privée concerne seulement lui, selon moi. Après chaque youtubeur, excusez-moi, peut dévoiler sa vie privée et assumer après, on va dire, un peu les conséquences de celle-ci. Voilà. Chacun les goûts et les couleurs, hein, comme je te dis toujours, ça a toujours été ainsi. Donc merci pour les 20 000 abonnés. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui qui sont assez importantes. Déjà, on va parler plutôt des petites choses qui. Que les abonnés me parlent, etc. Parce que je lis énormément vos commentaires. Faut savoir, j'y réponds pas. Des fois, j'y réponds pas quand j'estime que c'est totalement inutile de répondre. Hein. Quand tu me dis, par exemple, GG, bien joué, etc. En l'occurrence, j'ai pas en parlé, hein, bien évidemment. Et quand tu me poses une question, les trois quarts du temps, je réponds. Si j'ai pas répondu, ça veut dire très certainement que quand j'ai vu ton commentaire, tout simplement que je l'ai vu trop tard par rapport à une certaine vidéo et que j'en ai peut-être parlé dans l'ancienne vidéo ou dans la vidéo qui va arriver, tout simplement, et que j'ai pas envie de dévoiler la prochaine vidéo. C'est comme ça, je suis quelqu'un qui veut que la communauté reste, on va dire, un peu actif à propos de ma chaîne. Surtout qu'on est aux 20 000 abonnés, que je reste un peu sur du Infinite Warfare, donc ça me fait un peu. Voilà, ça me fait un peu peur des fois, tu vois, je reste sur du Infinite Warfare, je crois que je dois être un des seuls à plus de. Voilà, on va dire à plus de 10 000 abonnés qui continuent à faire sur du Infinite Warfare. Mis à part la Apex Clan, les trois quarts du temps, les personnes restent sur du Call of Duty Black Ops 3. Hein, et quand je dis sur du Infinite Warfare, c'est-à-dire assez fréquemment, là c'est vrai que vous avez mis quoi? Je vous avais mis un live Black Ops 3, en l'occurrence à triple, et on va en reparler de ça. Et ensuite, le unboxing de Colin Mystère, et si je dis pas de bêtises, le Face Live, hein, etc. sur IW. Et je vois beaucoup de personnes, enfin des personnes qui viennent de s'abonner, etc., qui me disent ouais, tu fais beaucoup de titres à guicheurs, et même des personnes qui me suivent sur ma chaîne, et des fois qui me défendent. Et ça, je vous adore, les potes, hein, je vous adore. Mais les personnes justement qui sont fidèles à ma chaîne, qui me disent ouais, tu commences un peu à exagérer au niveau des titres, etc., on va en parler là on va en parler très sérieusement. C'est que je pense que vous savez désormais, je crois que j'ai même plus besoin d'en parler, c'est que désormais YouTube, si tu veux fonctionner, parce que le but, je vais pas vous le cacher, je veux que ma chaîne augmente, je veux que ma chaîne augmente, on est bientôt aux 21 000, j'aimerais me faire des targets, j'aimerais bien arriver aux 50 000 à la fin de l'année, ça serait pas mal, tu vois, ça serait pas mal, c'est un target que je me mets en tête, mais c'est pas en mettant double atomiseur strike que je vais réussir à monter sur YouTube. Ça, je pense que vous le savez. Là, par exemple, sur les trois vidéos, sur les 4, 5 dernières vidéos, la double atomizer strike, en l'occurrence, c'est un face live que beaucoup de gens apprécient, les lives, hein, mais au final, il n'y a rien d'aguicheur. C'est vraiment le titre correspond parfaitement avec la vidéo. Hein. J'allais dire que plus précis, tu meurs. J'avais mis gros massacre en live, double atomizer strike, 55 gust strike, plus 67 de ratio. Titre totalement performeur. Hein. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Mais que en soi, voilà, c'est pas avec ça que je vais monter sur YouTube et que je vais rester sur du Call of Duty, ça c'est sûr. Mais il faut aussi que vous compreniez que j'ai envie de monter sur YouTube et que voilà, maintenant je vais faire des titres. Et pas maintenant, même avant, quand je fais des titres à guicheurs, parce que je veux monter sur YouTube et que c'est pas un scandale en soi et que les gens qui me disent putaclic, bon, on s'en fout parce que c'est tellement une minorité par rapport à la majorité de la communauté que j'ai aujourd'hui et que je suis content d'avoir parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, c'est que j'ai pas une communauté basée sur des kikous qui ne réfléchissent pas. Et ça, je suis vraiment très fier en fait. C'est vraiment très fier, par exemple, j'avais fait une vidéo sur. Infinite Warfare nous encule, avec trois petits points, parce qu'en soi, c'est encore le cas. On va bientôt avoir les rapports de combat dans 6 jours. À ce qui paraît, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, bien évidemment. Mais j'ai vu des gens argumenter et j'étais vraiment content. J'ai demandé vraiment de l'argumentation. Quelqu'un qui me balance des faits, écoute, moi je suis pas trop fan à cause de ça, etc. Qui m'a donné son point de vue, sans insulte.
Et beaucoup, beaucoup d'abonnés l'ont fait. Et ça, je suis heureux. Ça, je suis content. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fier de ma communauté. Ça, c'est quelque chose de magique et c'est quelque chose que je veux de ma communauté. Je ne veux pas que quelqu'un, un petit kiko qui arrive, bon, il y en a quelques-uns qui me disent « Ouais, t'es nul », etc. Bon, ces mecs-là, on n'a strictement rien à foutre. Hein. Ils ont que ça à faire de leur journée, de passer sur les vidéos YouTube, à balancer des pouces rouges un peu partout parce que, voilà, jusqu'à qu'il y a un mec qui leur plaise parce que c'est peut-être un petit haineux. Mais ça, on s'en bat les couilles en soi. Et je suis content de ma commu. Franchement, je suis content de ma commu. C'est pas une commu de petits kiko qui balance tout et n'importe quoi. C'est plutôt des gens qui sont assez matures. C'est exactement ce que je voulais d'un côté. Même si j'ai pas autant d'abonnés que d'autres youtubeurs, je suis quand même content d'avoir une communauté ainsi, tout simplement. Après, ce qui m'a assez déplu, en l'occurrence certains abonnés qui étaient sur ma chaîne, qui disent « Ouais, tu fais ça pour les vues, etc. » Bien sûr que je vais faire ça aussi pour les vues. Attends, je fais, par exemple, je vais dire la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'est voilà pourquoi je suis un des meilleurs joueurs sur Black Ops 3. En soi, il y en a quand même certains qui m'ont dit je te connais pas. Je sais, mais gros, j'ai envie de dire, ça se voit que tu suis pas la perf. Il y en a quand même certains qui m'ont sorti V12 a fait plus de nucléaire. J'étais choqué, gros. Je te jure, j'étais choqué à vie. J'étais à choquer. Je sais, mais putain, s'il te plaît, regarde les bons trucs. Donc j'étais quand même assez choqué. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai trash talk, tout simplement parce que pour ceux qui étaient pas sur le live, tout simplement parce que c'était la première game de la journée. Ça fait un bail que je joue plus à Black Ops 3 et ça, je pense que vous le savez, étant donné que les trois quarts du temps je fais des lives sur Infinite Warfare et que j'en fais sur Black Ops 3 pour la Apex, mais en soi je fais plus de gameplay sur Black Ops 3 étant donné que j'en ai largement assez, hein, et certains vont me dire ah voilà là tu te revantes etc, c'est pas pour me vanter. Si je veux, je balance des screens, vous venez sur Twitter, tu dis ouais tu dis ça, je balance des screens, je dois avoir encore, franchement je dois avoir encore 7 ans de gameplay sur Call of Duty Black Ops 3, j'étais double. Bon après ça sera pas du core, ça sera du hardcore parce que c'était la période hardcore où j'ai beaucoup gardé, mais j'ai encore beaucoup de gameplay les potes, et je pense que pour ceux qui ont vu la rediffusion de gameplay, je pense à quoi vous attendre lorsque vous jouez à... lorsque je jouais à Black Ops 3 et lorsque je faisais des gameplays. Et puis je pense que pour ceux qui me suivent essentiellement pour du Black Ops 3, voilà, vous savez à qui vous avez affaire, etc. Après, je ne prétends pas être le meilleur joueur au monde et aucun cas joueur professionnel. Joueur professionnel, je pense que si je les affronte, ils me défoncent l'anus et que c'est même moi qui me ferais spoon kill. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Mais qu'en soit, niveau performance, faut quand même se dire que j'ai quand même marqué... sur Call of Duty Black Ops 3, autant que ça soit mondial ou sinon francophone. Voilà, ça, on va faire la petite parenthèse parce qu'on va plus en parler. Et on va tout de suite voilà, vous dire l'essentiel, c'est que oui, je vais continuer sur du titre à guicheur, tout simplement. Et j'espère que la communauté qui est active, qui est fidèle à ma chaîne, continuera ainsi. J'espère que voilà, vous serez de plus en plus présents pour mes vidéos. Je vais essayer de continuer sur du live. Là, prochainement, ça sera l'évolution de Code, enfin de la saga Black Ops et la saga Modern Warfare. J'ai acheté les jeux rien que pour ça. Vous avez vu l'unboxing très récemment. Et puis voilà, donc en fait c'était juste un petit message pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, pour ceux qui, voilà comme j'ai dit, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne et puis que vous savez pas qu'est-ce que j'avais fait sur Call of Duty Black Ops 3, vous regardez les anciennes vidéos, elles sont là également pour ça, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, et on va tout de suite attaquer, voilà, les petites surprises. Donc là, je vois déjà certaines personnes qui vont faire « Ouais, tu vas plagier beaucoup de youtubeurs, etc. » Oui, en quelque sorte, je vais fidéliser ma communauté. Et je vais vous donner, pour ceux qui sont ultra fidèles et qui veulent représenter ma communauté auquel je suis hyper fier d'avoir aujourd'hui, un logo qui va être lié au tryhardisme, bien évidemment, parce que je sais pas pourquoi tout le monde me dit Loudhead égale tryhard, donc vous aimez bien ça, bah écoutez, vous allez rejoindre aujourd'hui la Tryhard Army avec un logo qui... Aujourd'hui, vous allez représenter ma communauté. Tout simplement, vous allez représenter ma communauté. Bien évidemment, il y aura quelques trucs pour représenter ma communauté, pour ceux qui sont ultra fidèles. Première des choses, je ne veux pas d'insultes envers d'autres youtubeurs. Si vous n'aimez pas certains youtubeurs, vous ne vous abonnez pas à leur chaîne. Ou tout simplement que si vous êtes pas fan d'une vidéo et que la vidéo vous aura plu, vous ne cliquez pas la vidéo, tout simplement. Je ne veux pas avoir d'autres problèmes avec d'autres youtubeurs. Je veux que voilà, ma communauté elle soit propre. C'est le but de ma communauté. Je veux que ma communauté soit extrêmement propre. Que ça soit, par exemple, si une vidéo ne vous plaît pas,
concernant ma chaîne par exemple, et que vous commencez voilà, à dire voilà, écoute les points que j'aime pas, etc., on en discute, c'est exactement ce que je veux parlementer, on va dire parlementer, ça fait un peu bizarre, tu vois, ça fait un peu le mec, tu vois, qui est sous pression, etc., et il faut absolument que le cas soit réglé, sinon il va mourir, je sais pas pourquoi parlementer, c'est le premier mot qui est venu comme ça. Mais voilà, vous avez représenté ma communauté, et que, première des choses, voilà, je ne veux pas que cette communauté soit sale, je veux qu'elle soit propre. Donc les personnes qui vont me représenter, que ce soit sur d'autres chaînes YouTube, ça va pas être des genre fils de pute, etc. Mais par exemple, si t'aimes pas la vidéo, tu argumentes, etc. Ça me fera extrêmement plaisir, et je pense que, voilà, maintenant on sera aussi la communauté ultra fidèle que j'ai là-dessus. Ensuite, deuxième des choses, c'est que bien évidemment je ferai un truc sur Twitter, ça veut dire que maintenant je vais ouvrir les DM et je vais pouvoir parler avec les abonnés. Je vais vous parler directement, par contre je dis tout de suite les personnes qui seront là en mode « Oui, est-ce que tu peux me rajouter sur le PSN ?» ça sera non directement, je vais tout de suite le dire pourquoi, parce que vous savez très bien que quand je joue à Call of Duty, je suis quelqu'un qui aime bien jouer en groupe de 2 ou en groupe de 3 avec des potes, voilà, c'est comme ça. Il y aura des sessions de live, je sais que chaque fois je dis oui, il y aura des sessions et que je le fais quasiment rarement, bah c'est là, à ce moment-là, où il faut prendre l'opportunité parce que je suis comme ça, tout simplement. Et puis voilà. Et le dernier cadeau, en fait, tout simplement, ça sera obtenir les grips que j'ai reçus récemment dans le unboxing. Tout simplement parce que je vais vous les offrir. Si j'ai réussi à obtenir ce partenariat, c'est grâce à vous les abonnés et que moi, j'en ai pas vraiment besoin étant donné que j'ai tout le setup sur ma manette. Donc, il y aura un concours sur Twitter. Je pense que je le lancerai le 26 ou le 27. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, il faudra me follow, tout simplement. Faudra me follow. Et tout sera fait, bien évidemment. Il faudra RT, etc. Enfin, bref, ça sera certainement le 27 sur Twitter. Et puis, il y aura un truc où ça va durer pendant 4 ou 5 jours. Et vous pourrez, bien évidemment, essayer de gagner des grips. Il y aura 3 vainqueurs là-dessus. Et puis voilà, enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions concernant les 20 000 abonnés. Et voilà, donc en soi je n'ai pas changé, en soi je serai toujours le même niveau Call of Duty, peut-être qu'il y aura deux ou trois choses que j'aimerais quand même faire, même si c'est un peu en dehors de Call of, mais qui restera dans le monde du gaming bien évidemment. Et puis n'oublie pas le like, ça me fera extrêmement plaisir, les 500 likes. Ça me fera, voilà, comme je dis, extrêmement plaisir. Un maximum de commentaires si tu as quelque chose à dire là-dessus. Et puis dans la description, il y aura le logo. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description pour le logo. Un maximum de partage. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.